Bien. Ouais, bonjour Florian, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Au fait, Florian, ça fait quelques mois déjà que je te suis, bon, plus c'est sur ta page Instagram, parce que je suis beaucoup intéressé par l'immobilier. J'ai un ami à Adrien, Steve. Ah, ok, nice. But... il t'a dit ce qu'on fait ou pas? Ouais, il m'a parlé de ça depuis, parce que j'étais étudiant étranger, tout comme lui, son ami au Canada, presque la même année. Ouais. Il m'a parlé de ça plusieurs fois, mais j'ai hésité souvent à m'engager. Mais depuis un certain temps, quand je vois sa façon de déterminer et son plus qu'il a déjà par rapport au début quand il me parlait, là, il dit que, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre le temps et les choses avancent. Là, il va prendre l'engagement vraiment. Au fait, j'hésitais de me lancer au début parce que, étant donné avec ma situation, comme j'étais étudiant étranger, parce que là, je suis passé sur un plein travail. Ah ben là, c'est bon. Ouais. Bon, là, ce que j'hésitais, c'est que étant donné que j'ai un statut temporaire, je savais pas que avec ce statut, c'était possible d'aller peut-être aller prendre un financement, obtenir un financement. Tu peux, ouais. Tu peux. On a beaucoup de participants qui ont un visa temporaire et qui sont déjà propriétaires immobiliers. Adèle, dont on a parlé tout à l'heure, là, le cas de le participant d'Olivier, on a parlé de Adèle. Qui a fait une acquisition à 400 000 et là, il est préqualifié pour aller chercher 1 million. Il a un visa temporaire. Hein. Donc, à chaque problème, sa solution, comme tu vois. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Suis Adrien, fais comme lui et ça fera plaisir de te rejoindre par la suite, que tu nous rejoignes. Okay.